Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le lundi 18 mai 2020, bienvenue dans À l'air libre, nouvelle version car comme vous le voyez nous sommes de retour à la rédaction de Mediapart dans nos studios, ceux que vous connaissez si vous suivez nos lives, studios un peu adaptés à la situation. Salut Mathieu, tu es à côté de moi mais à un bon mètre de distance. Ah oui, bonjour Valentine, on teste quelque chose de nouveau en effet. Dans la deuxième partie d'À l'air libre, je reçois Cédric Héroux, paysan dans la vallée de la Roya. Il vient d'être relaxé par la cour d'appel de Lyon après avoir combattu pendant des années pour le devoir de solidarité avec les migrants. Entretien grand format dans une demi-heure. À tout à l'heure, Mathieu. En première partie, on accueille deux soignants pour discuter de l'après-Covid-19. La crise d'hier est toujours là. Quel hôpital pour demain? On ira ensuite aux États-Unis où le recensement de la population, enjeu majeur de démocratie, est perturbé à cause du Covid-19. Un peu de musique également dans À l'air libre aujourd'hui avec Vanessa Wagner. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire. alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages. Covid@mediapart.fr pour vos documents et infos d'intérêt général. À l'air libre numéro 43, c'est parti. Ils sont applaudis tous les soirs depuis 2 mois. On leur promet une médaille, peut-être même les honneurs lors de la fête nationale. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils demandent? Les soignants, les médecins, infirmières, aides-soignants, ambulanciers, la liste n'est bien sûr pas exhaustive, sont au cœur de l'attention politique et des promesses. Qu'en sera-t-il après cette crise? À quoi ressemblera, à quoi doit ressembler le monde médical et notre système de santé? Pour en parler, deux soignants sont dans À l'air libre. Caroline Dumortier, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière au centre hospitalier Annecy-Genevois à Annecy, en Haute-Savoie, et membre du collectif Interurgence. On vous avait reçu dans notre émission consacrée à la crise de l'hôpital public. C'était le 14 février. C'était il y a 3 mois seulement. Ça semble une éternité. Xavier Belenfant, bonjour. Bonjour. Vous êtes néphrologue au centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et c'est à ce titre que vous parlez aujourd'hui, président du collège médical du groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est et co-signataire d'une tribune parue hier dans le journal du dimanche, une tribune intitulée « Nous réclamons l'équité sanitaire pour la Seine-Saint-Denis ». On va y revenir. À tous les deux, pour commencer, que retenez-vous de ces 2 mois et demi de crise, de ces 2 mois et demi hors du commun? Caroline. Qu'est-ce que l'on retient? On retient finalement des choses auxquelles on s'y attendait, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est complètement en péril, qui est complètement fragilisé, qui est complètement à bout de souffle. Et on a eu un grain de sable dans le rouage. Et qu'est-ce que ça fait? Ça ne marche plus. On se retrouve devant les problématiques qu'on a à l'année, la problématique de matériel, la problématique d'hospitalisation du nombre de lits et la problématique de la ressource humaine, c'est-à-dire des soignants qui sont épuisés. Donc, ce que l'on retient, c'est que c'est la goutte de trop qui nous fait chavirer et qui nous met dans un état de colère tellement immense qu'on espère qu'il y aura des choses positives derrière qui seront comprises par notre gouvernement. La goutte de trop et la colère. Xavier. Oh, ça a été 2 mois éprouvants. Effectivement, comme l'a dit Caroline, qui est arrivée alors que les hôpitaux publics étaient en situation difficile de mise en tension, de réduction, on va dire, du nombre de lits et de moyens qui sont alloués. Et malgré ces contraintes extrêmement importantes, c'est l'ensemble finalement des soignants, avec leur direction, avec leur service logistique, qui ont été capables de faire face à l'événement, avec les moyens du bord, et voire plus que les moyens du bord. Et ça, c'est ce qui est à souligner, c'est ce qui montre leur capacité, leur adaptation, et finalement peut-être la confiance qu'on peut leur faire pour gérer l'hôpital en situation de crise, et même peut-être en dehors. Alors justement, là, vous finissez sur quelque chose de positif. J'allais aussi vous demander à tous les deux, et peut-être vous aurez autre chose à nous dire encore, Xavier, mais est-ce que vous retenez quelque chose de positif de ce terrible moment? Xavier, vous parlez de la mobilisation des soignants, mais encore? Ah, ce qui était impressionnant, effectivement, c'était de se trouver dépourvu au départ de certains nombres de moyens face à une maladie qui nous était encore un peu inconnue, et la capacité de surpasser sa peur, de se mobiliser, et ensuite de créer finalement ensemble les moyens qui ont permis en équipe de faire face à cette montée puissante, violente, pendant 10 premiers jours. C'était ça que j'ai retenu, qui était vraiment le plus important. Mais comme le dit Caroline, il faut penser aussi à l'après. Et ce n'est pas parce que les soignants étaient au rendez-vous avec leur capacité personnelle qu'il faut effacer ça derrière une vision, on va dire, charitable de la santé. On va y revenir. Caroline, quelque chose de positif de ce moment?
Oui, il y a eu des points positifs qu'on peut souligner. Premier point positif, l'élan de solidarité, évidemment, quand même, de la population envers le système hospitalier, envers toutes les personnes qui y travaillent, que ce soit des dames qui nous aident à faire le ménage parce qu'elles ont eu un travail incroyable à devoir faire pour rendre stérile entre guillemets les chambres, jusqu'à le boulanger du coin qui nous soutient au quotidien. Alors cet élan de solidarité du pays, mais aussi un autre point positif, l'élan de solidarité intra-équipe, avec évidemment cette motivation que l'on continue à avoir et ce soutien que l'on a les uns envers les autres. Et aussi, nous, en tout cas, en l'occurrence dans notre hôpital, un point positif, c'est qu'on a eu de suite une réactivité de notre direction, une réactivité dans le dialogue et une réactivité dans la mise en place de lits, etc., comme on pouvait, avec le matériel que l'on avait, certes, mais avec une réelle anticipation qui nous a permis de pouvoir nous préparer pour mieux accueillir les patients Covid. Alors, on voit que vous avez réussi à vous mobiliser et à faire face en poussant les murs et en trouvant toujours plus de moyens, en allant les chercher là où vous les trouvez. Mais jusqu'où et jusqu'à quand pouvez-vous tenir comme ça ? Je pense qu'on tiendra comme ça jusqu'à temps qu'on lâche notre diplôme, en fait. Le système tient en bricolant chaque jour comme on peut, en trouvant un petit peu plus de confort pour le patient, en trouvant une chambre un petit peu plus rapidement, mais en finalement l'ayant vidé trop vite pour quelqu'un d'autre qui a dû laisser la place. On bricole et en fait, on tient individuellement jusqu'à temps qu'on lâche notre blouse et qu'on décide de changer de travail ou de changer de service ou de changer de métier. Mais on tient en survivant, en fait. Hein. Il n'y a pas de miracle. Ce qui nous fait tenir, c'est l'envie de soigner quelqu'un, tout simplement, et notre équipe. Et alors, ce qui vous fera peut-être tenir, c'est cet objet. On va voir un objet, ou pas d'ailleurs. C'est une médaille sur laquelle il y a écrit « Merci ». On distingue des silhouettes qui correspondent à des médecins, des infirmiers, infirmières, pompiers, secouristes. Et puis, on voit des mains qui applaudissent en dessous. Cette médaille, c'est celle qui a été créée par la Monnaie de Paris en hommage aux soignants et qui a été distribuée, par exemple, la semaine dernière aux soignants du CHU de Bordeaux. Hasard du calendrier ou pas, c'est ce jour-là que l'exécutif a annoncé une médaille de l'engagement face aux épidémies. Alors, ce n'est pas nouveau. La première du genre remonte au 19e siècle, 1885, une médaille créée après l'épidémie de choléra un an plus tôt. Face à cette annonce, beaucoup de réactions, et vous allez me donner la vôtre juste après, dont celle-ci lors du déplacement d'Emmanuel Macron vendredi à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Macron. Bonjour monsieur. Vous pensez qu'on a vraiment besoin d'une médaille ? La fameuse médaille qui a été annoncée ? Si vous n'en voulez pas, vous ne la prenez pas. Ah oui, non mais c'est sûr, mais aujourd'hui c'est surtout pour le personnel. Aujourd'hui, vous savez ce qui est sorti ? Un décret sur les primes. Oui. C'était le premier engagement. D'accord. Et là, on a parlé des choses sérieuses, c'est-à-dire de la refondation de l'hôpital mais attendez, et du système de santé. Et le côté. Je viens de voir votre représentant là pendant un petit moment. Oui, et le côté. Caroline Dumortier, Xavier Bellenfant, si on vous donne une médaille, vous la prenez, Xavier Bellenfant ? La médaille, c'est compliqué, c'est un symbole uniquement. D'accord ? C'est pour montrer qu'effectivement, la reconnaissance peut-être de la nation par le biais, on va dire, de son président, de son gouvernement, vis-à-vis de ceux qui ont été capables de se mobiliser. Mais je le redis, on n'est plus au moment où l'hôpital doit fonctionner avec la charité. L'hôpital doit fonctionner avec des moyens qui y sont alloués, des moyens qui permettent au personnel d'être dignement rémunéré. On l'a vu, on l'a entendu ces derniers temps. Un hôpital qui a des moyens d'investir. Quand vous êtes patient, quand vous êtes malade, vous venez pour vous faire soigner avec des équipes qui sont motivées, on en a eu la démonstration, qui ont les moyens pour travailler. Et là, on a vu qu'il y avait pénurie, et avec la volonté d'y rester, de développer leur outil. Et ça, c'est ce qu'il va falloir recréer, parce que c'est ça qui a été mis en tension avant la crise. Alors justement, vous parlez de moyens. Emmanuel Macron parle ensuite, il n'y a pas que cet extrait bien sûr, mais il y a donc la médaille, mais il parle aussi de primes de 500 à 1500 euros. Ça, c'est concret, le décret a été pris. Est-ce que c'est déjà un premier pas satisfaisant, Caroline ? Alors, est-ce que c'est un premier pas satisfaisant ? Oui et non. Oui, dans le sens où, évidemment, qu'on ne peut pas nier que nous vivons avec des difficultés, entre guillemets,
financière par rapport au travail que l'on fait qui est sous-payé et puis à nos conditions de vie qui sont de plus en plus chères. Donc évidemment qu'on ne peut pas dire non, je ne peux pas me permettre de gagner 1500 euros de plus. Par contre, moi je suis contre l'idée que cela engendre, c'est-à-dire que c'est une prime qui, déjà, c'est ponctuel. On ne demande pas une reconnaissance ponctuelle, on ne demande pas de prime, on redemande quelque chose de pérenne, c'est-à-dire une revalorisation du salaire. Deuxième chose, ce que je trouve critiquable dans cette prime, qui à mon sens est plutôt quelque chose de l'ordre de la communication plutôt que réellement une prime nécessaire, c'est qu'elle clive les soignants entre eux. Pourquoi l'infirmier qui travaille dans une campagne en France, qui lui a eu la chance parce que son territoire n'a pas été dans une épidémie tendue de Covid, mais qui souffre à l'année des mêmes problématiques que nous, la problématique de lit, la problématique de matériel et la revalorisation du salaire qu'il n'a toujours pas, pourquoi lui ne la toucherait pas alors que moi finalement je vais peut-être la toucher par rapport à mon territoire. Cette prime, elle nous clive entre nous. On ne demande pas une prime, on demande quelque chose de pérenne, c'est-à-dire une revalorisation de nos salaires. Alors justement, cette revalorisation des salaires, elle est aussi annoncée. Le montant n'est pas annoncé. Je crois me souvenir, puisqu'on s'en était parlé déjà le 14 février, et ça fait longtemps qu'il y a cette demande, que c'est 300 euros par mois pour tous les paramédicaux. Est-ce que vous croyez Emmanuel Macron quand il dit qu'il revalorisera vos salaires ? Je le croirai quand il le fera. Avant, non, je ne le crois pas, mais j'espère pouvoir, par contre, cette fois-ci tomber avec une gouvernance, un président de la République qui a réellement entendu les choses et débloque une revalorisation de nos travail, de nos salaires. 300 euros, c'est pas grand-chose. 300 euros, c'est la différence que l'on a entre une infirmière européenne, le salaire d'une infirmière européenne et le salaire de l'infirmière française. On a 300 euros de différence par mois en moyenne par rapport à nos autres pays européens. Vous voulez dire par rapport au salaire moyen d'une infirmière en Europe ? Absolument. Absolument, c'est l'OCDE qui le dit, c'est des choses qui sont concrètes, c'est des choses que l'on connaît, c'est des choses auxquelles on ne peut plus que l'on ne peut plus nier. Pourquoi ? Parce que il y a de moins en moins de personnes qui veulent faire ce travail dans le système hospitalier, le travail d'aide-soignant, le travail d'infirmier, même le travail finalement, les médecins hospitaliers, ils sont de plus en plus rares ou en tout cas difficiles à trouver, en tout cas ne serait-ce que dans un service d'urgence. Pourquoi on ne peut plus continuer comme ça ? Parce que l'hôpital ne tournera pas sans ses soignants et il y en a de moins en moins, notamment parce que on ne peut pas vivre décemment avec un salaire où on fait le week-end, les nuits, les vacances scolaires, les fêtes de fin d'année, etc., etc., en n'ayant que 1400 ou 1500 euros à la fin du mois. Ce n'est pas possible, ce n'est plus entendable. Il faut qu'il y ait réellement un changement là-dessus. Et on espère que vous avez été entendu. Ça fait longtemps que vous le dites. Au-delà des médailles, des primes, des augmentations de salaire, bien sûr nécessaires, il y a autre chose que cette crise a montré, ou en tout cas a souligné, parce qu'on pouvait peut-être déjà le savoir, ce sont les différences qui pèsent sur la santé de la population et donc sur les épaules des soignants et soignantes. C'est l'accès aux soins qui n'est pas le même où qu'on soit en France. Et selon vous, Xavier Bellenfant, il n'y a pas d'équité sanitaire en Seine-Saint-Denis où vous exercez. Je l'ai dit, hein, vous avez co-signé une tribune qui est parue hier dans le journal du dimanche pour la réclamer. Vous dites, voilà, 1 600 000 habitants en Seine-Saint-Denis, dans ce département qui est collé à Paris. Et c'est là qu'il y a le plus faible ratio de lits d'hospitalisation, de réanimation et de soignants. Effectivement, c'est un constat qui n'est pas propre au Covid. C'est un constat qui existe depuis des dizaines d'années, qui avait déjà été relevé dans le plan régional de santé par l'ARS, qui dénotait qu'effectivement, c'est le département d'Île-de-France sur lequel la densité médicale était la plus faible en médecine libérale, en médecine de ville, même si les communes, par l'intérieur des CMS, ont essayé, centres de santé, ont essayé de pallier ce déficit. C'est aussi l'endroit où il y a le moins de lits dans les hôpitaux publics, et je dirais même l'hospitalisation, même privée, si on y va ensemble. Donc ce n'est pas normal que ce département, qui a les indicateurs, on va dire, de santé les plus précaires d'Île-de-France, avec la Seine-et-Marne, plus de diabète, plus de cancers, plus de maladies cardiovasculaires, plus de maladies pulmonaires, plus de maladies rénales, et une offre sanitaire qui soit quasiment la plus faible d'Île-de-France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les habitants du 93, de Seine-Saint-Denis, sont obligés, à certains moments pour se soigner, de quitter le département. Et 40% d'entre eux n'ont pas de moyens de locomotion personnelle. Les transports en commun, ils sont en train d'être complètement revus, mais ils sont déficitaires. Donc ce qui est demandé, c'est que les structures hospitalières
les médecins libéraux, les centres de santé puissent être en nombre suffisant, c'est-à-dire autorisés, avec des moyens qui leur sont alloués pour moderniser le système, pour répondre à ces besoins de santé en proximité de leur domicile. Mais ça peut déranger effectivement certains équilibres régionaux. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que est-ce qu'il faut dire à un médecin libéral, bah, installez-vous en Seine-Saint-Denis plutôt qu'ailleurs ? Est-ce qu'il faut contraindre la profession ? Ou est-ce qu'il faut l'attirer autrement ? C'est valable en ville comme à l'hôpital. Vous venez travailler à un endroit quand effectivement il y a une certaine sécurité pour y travailler, quand il y a des équipes qui sont suffisamment étoffées, quand ils ont du matériel qui est celui du 21e siècle et pas du siècle dernier, et vous êtes capable de le faire. Quand on voit dans nos 5 hôpitaux de Seine-Saint-Denis, les équipes qui ont su effectivement s'investir ont su attirer d'autres professionnels. Mais pour y arriver, il ne faut pas qu'on soit des petites équipes, chacun de son côté. C'est aussi l'objet de notre tribune. C'est-à-dire qu'ensemble, on est capable d'aller plus loin, d'être plus grand, d'être capable de diminuer les contraintes finalement qui pèsent par le métier au quotidien et d'ainsi pouvoir avoir les investissements. Et après, si on a un certain volume d'activité, mais d'offrir la qualité qui va avec et qui est, c'est pas un privilège, mais qui est une nécessité absolue pour les patients qui résident en Seine-Saint-Denis. Pourquoi, selon vous, vous êtes entre guillemets sous-doté en Seine-Saint-Denis ? Vous pensez que le pouvoir politique il met moins de moyens ? Vous pensez que vous êtes un département laissé pour compte ? C'est quoi votre analyse de tout ça ? Bon, il y a le poids de l'histoire. Hein, quand vous regardez, par exemple, la formation des hôpitaux les plus anciens, qu'ils soient dans Paris ou qu'ils soient dans la proche banlieue, c'était souvent des structures hospitalières qui existaient au 18e, 19e siècle, qui ont été transformées ensuite, mais finalement, en établissements d'hospitalisation. En Seine-Saint-Denis, aucune de ces structures n'existait. Quand on regarde la naissance des hôpitaux publics, à Vicennes, c'est l'hôpital franco-musulman qui avait été créé pour accueillir une population migrante. Les autres les hôpitaux de Seine-Saint-Denis ont tous été créés entre les années 30 et 70 par les communes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Et donc, c'est eux qui ont créé finalement les structures qui, à ce moment-là, étaient petites et qui n'ont pas su s'adapter au volume de soins qui était autour d'eux, à la demande qui était explosive. C'est ça notre problème. Et une fois que vous voulez grandir, à partir des années 90, 2000, mais vous ne pouvez pas le faire tout seul, vous avez besoin d'autorisation pour le faire. Vous avez besoin qu'effectivement on vous dise « Ok, étendez-vous ». Et on a besoin effectivement, quand on est dans un hôpital public, qu'il soit une population précaire, d'aide financière. Et c'est là où effectivement, de temps en temps, on a du mal à se faire entendre. Alors, et vous pointez un autre problème dans cette tribune qui doit aussi en être un chez vous, Caroline, à Annecy. Vous dites que l'accueil des patients… Enfin, vous dites que ça va être compliqué, que c'est compliqué d'accueillir les patients dont les maladies se sont aggravées pendant le confinement. Oui, c'est compliqué dans le sens où, en fait, en tout cas, de mon expérience en local, entre guillemets, on a vu quelque chose auquel finalement on ne s'attendait pas vraiment, c'est que les patients chroniques que l'on devrait voir assez régulièrement pour des évolutions de leur pathologie, on ne les voyait plus. On ne les voyait plus parce que probablement qu'ils n'osaient plus venir à l'hôpital de par cette terreur en fait, hein, du Covid et qui est entretenue aussi d'un point de vue de nos dirigeants. Ce mot « guerre » n'est pas anodin. Enfin, quand on dit à une population « on rentre en guerre », la guerre, c'est quand on est les uns contre les autres. On n'est pas les uns contre les autres, on devrait être les uns avec les autres, là, justement. Et du coup, on a perdu des patients qu'on n'a pas vus pendant un certain temps parce qu'ils avaient peur de venir à l'hôpital. Et quand on les revoit dans des états qui se sont nettement plus aggravés que s'ils avaient dû venir avant. Et ils nous disent très clairement, j'ai pas osé venir, ça avait l'air d'être tellement grave, et puis je serais tombée malade à l'hôpital encore plus, etc. Donc en fait, c'est des patients qu'on récupère dans un état plus grave, qui nécessite plus de soins, plus de temps, et qui nécessite derrière une hospitalisation qui sera plus longue. Mmh. On se mord la queue. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Vous avez constaté ça aussi, Xavier Bellenfant ? Comme le dit Caroline, effectivement, les établissements ont été prioritairement consacrés au Covid. Et je dirais que les autres patients se sont retirés naturellement et ont laissé la place à ces malades qui étaient considérés comme prioritaires. Et donc, ils ne sont pas venus ni en consultation, ils ne sont pas venus voir leur médecin généraliste parce qu'on leur disait que c'était dangereux aussi.
et puis après, ils réapparaissent. Et là, effectivement, ben, on a des cas plus lourds, plus compliqués. Et ben, c'est le prix de, ben, d'une absence de soins, on va dire, pendant 2 mois, hein, qui a été subi et non pas choisi, quoi. Mais je voudrais rebondir sur, sur ce que vous disiez sur les maladies chroniques. Mmh. C'est, ça me permet d'évoquer autre chose, c'est-à-dire que la gestion des maladies chroniques, on va changer de paradigme dans les années qui viennent. Ce ne sera plus un suivi médical exclusivement, ce sera un suivi médico-soignant, infirmier. Et là, je voudrais qu'on parle peut-être éventuellement des évolutions de carrière aussi des infirmières. Hein, comment demain, effectivement, elles vont avoir peut-être un métier qui va évoluer. Elles auront une place plus importante auprès des patients qu'elles ne l'ont aujourd'hui. Et il va falloir qu'on accompagne ce changement de mentalité dans notre propre métier et auprès de la population générale. Vous voulez dire que la mentalité des médecins dans le corps soignant doit changer à l'égard des paramédicaux, des infirmières, des aides-soignants? Bon, alors, à l'hôpital, on travaille tous en équipe, hein, sinon ça ne marcherait pas. Mais effectivement, quand on voit la densité médicale qui va diminuer en France dans les prochaines années, quand on voit l'augmentation des pathologies chroniques, quand on voit de temps en temps la finesse qu'ont parfois les infirmiers, les infirmières qui ont travail, qui savent peut-être de temps en temps prendre plus de temps pour avoir une gestion globale, ben on se dit que nos approches sont complémentaires et elles ne sont pas compétitives. Et donc effectivement, il va falloir qu'on apprenne à intégrer cette notion-là et je pense que c'est une nécessité et c'est un bien pour le collectif. J'imagine que vous approuvez ce message, Caroline. Oui, bien sûr, et c'est vrai que de toute façon, on est soutenu par nos hiérarchies, que sont notamment les médecins, mais c'est vrai qu'il y a une véritable chose à penser, c'est l'évolution des carrières, et effectivement, il faut développer probablement le soin infirmier en libéral de façon mieux reconnue et plus technique, etc., pour pouvoir gérer un petit peu plus ces patients chroniques au domicile, etc. Oui, effectivement, il y a une vraie évolution de salaire dans nos métiers à avoir. Nous, en tant qu'infirmières, hein, si on prend juste le béaba de notre évolution de salaire, de professionnelle, il n'y a pas grand-chose. Et il n'y a pas grand-chose, d'ailleurs, au niveau du salaire, on est bien d'accord. On est dans un métier qui n'a pas suivi la modernité, entre guillemets, de la médecine, au niveau de l'évolution de nos pratiques. Ça fera partie, j'imagine, des choses à faire évoluer à partir de maintenant. Pour finir, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ? Alors... Par principe, toujours. Par principe, non, mais sinon, toujours. Par principe, toujours. Sinon, à ce moment-là, on ne prend pas de responsabilité. On n'essaie pas d'être d'une posture telle que je dois avoir, qui est une gestion dynamique d'équipe. Mais être optimiste, ça n'empêche pas d'être lucide, quoi. On va sortir de la crise avec des difficultés économiques. Et il ne faut pas que la difficulté économique, qui sera déjà extrêmement forte pour l'ensemble de la population, soit encore plus lourde à porter dans les territoires sur lesquels les populations sont déjà les plus précaires. Et ça, il va falloir qu'on y fasse extrêmement attention. Et là-dedans, nous, on a notre rôle à jouer, qui est celui d'aiguillon, d'éveil. Et je voudrais que la façon dont les soignants ont été écoutés pendant la crise, on continue surtout à les écouter après. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il y a une crise et qu'on a été présent que cette pensée-là, on doit la mettre sous le boiseau dans les années qui viennent. C'est ça. Ne pas vous oublier quand tout ça sera retombé. Caroline, un dernier mot, effectivement. Optimiste, le mot est un petit peu trop fort. Par contre, je pense qu'il y aura véritablement un avant et un après, dans le sens où j'ai le sentiment que la population a pris conscience que son système hospitalier et que son hôpital de proximité était de toute façon en souffrance et qu'il ne pourrait plus le soigner correctement pour toutes les années à venir s'il n'y a pas de changement. Après, optimiste par rapport aux annonces gouvernementales, je suis sceptique, je reste en observation. Pourquoi ? Parce que ça fait des mois et des mois que nous on est en grève, ça fait des mois et des mois que l'on monte à Paris plusieurs fois par trimestre faire la manifestation et que j'avais le même président à ce moment-là face à moi, c'est-à-dire Emmanuel Macron, et qu'on s'est fait gazer, qu'on n'a pas du tout été reçu, que à ce moment-là Agnès Buzyn ne nous a pas reçu. Donc bon, j'attends de voir. Eh bien, observez avec vigilance. Merci à tous les deux. Caroline Dumortier, vous êtes infirmière à l'hôpital d'Annecy et membre du collectif Interurgence. Xavier Belenfant, vous êtes néphrologue au centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil en Seine-Saint-Denis, président du collège médical du GHT Grand Paris Nord-Est. Merci à tous les deux et j'ajoute que demain, dans Mediapart, vous pourrez lire un récit de 2 mois de crise avec Yasmina Kétal, infirmière à Saint-Denis, membre du collectif Interurgence, et puis les revendications des paramédicaux. Pour la suite, on vient de l'évoquer, un récit signé Caroline Coq-Chaudorge. Merci à tous les deux, bon courage et à bientôt. Merci.
direction les États-Unis. Tous les 10 ans, les États-Unis recensent leur population. Ça fait 230 années que ça dure, mais à cause du Covid-19, le recensement décennal est très perturbé. Et comme souvent avec cette pandémie, ce sont les plus pauvres, les plus touchés par le virus, qui pourraient en ressentir les conséquences. Pour en parler, Alexis Buisson. Bonjour Alexis. Bonjour Valentine. Tu es l'un de nos correspondants aux États-Unis, tu es basé à New York et tu signes dans un ensemble sur la campagne tuée par le virus cet article, le recensement américain victime du Covid-19, un article où tu expliques pourquoi le recensement de la population est politique et pourquoi le fait qu'il soit perturbé est un problème. Alors concrètement, d'habitude, comment s'organise ce recensement qui est gigantesque ? Oui, il est gigantesque, c'est comme tu le dis, hein, c'est un grand chambardement en quelque sorte, ce recensement, tous les 10 ans. Le bureau du recensement, qui est l'agence fédérale qui chapeaute les opérations, recrute 500 000 de volontaires et de travailleurs divers qui vont venir faire la promotion de ce recensement dans tous les coins des États-Unis, que ce soit dans les petits villages de l'Alaska aux grandes villes des côtes comme New York, pour véritablement s'assurer que toute la population américaine, c'est-à-dire plus de 320 millions de personnes, soient toutes comptées. Donc il y a déjà ça, il y a ces opérations de porte-à-porte qui sont très importantes, différents ateliers qui sont organisés dans toutes les villes pour faire la promotion de ce questionnaire. Et en plus de ça, en local, il y a différentes associations, que ce soit des associations de développement économique, des associations de défense des immigrés, différents types d'associations dans les grandes villes ou les petites villes qui vont venir recruter aussi leurs propres volontaires pour s'assurer que leur communauté soit au courant et se fasse compter. Donc c'est véritablement une opération gigantesque qui est tellement grande qu'elle apparaît d'ailleurs, que les recrutements apparaissent d'ailleurs dans les chiffres saisonniers de l'emploi aux États-Unis. Mmh. Sauf que là, c'est perturbé. Et donc, comment est-ce qu'il s'organise ce recensement sous pandémie ? Oui, alors j'ai parlé à un responsable justement d'association qui a un peu comparé ça à un deuil en fait. Il y a une phase de déni où on se dit bon ben on va pouvoir toujours continuer à compter facilement la population en prenant des précautions, en portant des masques, etc. Puis petit à petit il y a la réalisation que ça ne sera pas possible. Donc là, bien sûr, les opérations de porte-à-porte qui sont essentielles dans le cas du recensement américain, puisqu'il n'est pas toujours facile de toucher des populations qui parfois n'ont pas d'adresse, comme les sans-abri, ou même des populations qui sont en situation irrégulière aux États-Unis, qui n'ont pas envie de se faire recenser. Et bien donc ces opérations de porte-à-porte sont suspendues. Il y a donc d'autres manières pour le faire. La bonne nouvelle, c'est que le recensement était disponible en ligne pour la première fois cette année. Donc les différentes associations qui sont à l'œuvre vont pouvoir en faire la promotion en ligne. Elles utilisent également différentes chaînes de SMS, des chaînes d'email, des réunions Zoom pour pouvoir mobiliser leur communauté. Bien sûr, le problème avec tout cela, c'est qu'il y a aussi encore beaucoup de populations qui n'ont pas accès à Internet, y compris dans des villes très riches comme New York, où plusieurs centaines de milliers de familles n'ont tout simplement pas les moyens d'avoir un accès à Internet. Et alors, pourquoi est-ce que ce recensement il est si important et du coup, quel serait le risque d'un sous-comptage ? Il y a deux utilités majeures en fait à ce recensement. La première, elle est politique en fait, c'est-à-dire que le recensement permet de déterminer le découpage électoral. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque État est représenté au Congrès par deux sénateurs et par des représentants, des députés en quelque sorte, dont le nombre change, varie en fonction de la population de chaque État. Donc plus il y a d'habitants dans un État, plus il y aura de représentants à la Chambre des représentants. Donc il y a véritablement une importance de représentation politique à ce recensement. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a plus de 1 000 milliards de dollars qui sont attribués aux villes, voire à des quartiers, à partir des données établies par le recensement. Donc, par exemple, si on s'aperçoit qu'un quartier gagne des habitants,
les associations vont pouvoir faire du lobbying auprès de la ville pour, par exemple, accroître le nombre de lits dans les hôpitaux, ce qui est particulièrement important en ce moment, bien sûr. Ou alors, ça peut être aussi ajouter un arrêt de bus ou ajouter un arrêt de métro. Donc, il y a véritablement des implications dans la vie quotidienne, un peu à la manière d'une élection politique. Un peu comme c'était la toute première étape, finalement, l'étape 0 ou l'étape moins 1 d'une élection politique. Exactement. C'est le nombre de la population. C'est tellement important, ce recensement, que l'administration Trump a voulu en changer une règle. Oui, tout à fait. Il y a quelques mois, Donald Trump et son gouvernement ont laissé flotter l'idée qu'ils voulaient ajouter une question sur la citoyenneté dans le recensement. Et bien sûr, l'objectif n'était pas clairement affiché, mais il était quand même clair dans le sens où il s'agissait d'exclure tous les Américains, toutes les personnes en situation irrégulière aux États-Unis, puisque dès lors qu'elles devraient donner leur citoyenneté, on imagine que les personnes qui n'ont pas de papier ne voulaient pas, auraient été réticentes à l'idée de remplir le formulaire. Donc l'administration aurait, juste avec cette question, créé une situation de sous-comptage qui aurait été négatif pour les quartiers ou les villes qui comptent de nombreux immigrés sans papier. Oui, ça aurait eu un effet dissuasif sur une partie de la population. À New York, le recensement, il est toujours compliqué. Avec la pandémie, j'imagine que c'est pire. Oui, tout à fait. C'est un exercice qui est toujours très compliqué parce que, comme je disais, il y a des populations qui sont très difficilement, qu'on peut contacter très difficilement, comme les sans-abri, par exemple, qui n'ont pas d'adresse, ou les personnes qui n'ont pas de papier, qui sont un peu réticentes à l'idée de se faire compter. Donc, c'est toujours une opération difficile. C'est effectivement encore plus difficile que d'habitude, si je puis dire. J'ai parlé notamment avec un responsable d'association qui m'a dit que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait à la craie sur les trottoirs des messages pour encourager les habitants de son quartier à se faire recenser. Donc voilà, certaines associations en sont réduites à ça, mais en même temps, c'est un peu le seule manière pour toucher tout le monde dans un contexte où on ne peut pas faire de porte-à-porte tenir de table d'information. Et c'est utile, tu viens de l'expliquer. Avant de se quitter, Alexis, un mot pour décrire l'état de la campagne présidentielle. Des nouvelles de Joe Biden ? Oui, alors Joe Biden, il y a du bon et du moins bon, hein, si je puis dire. Joe Biden, il fait campagne depuis son sous-sol. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose pour Joe Biden, selon moi. Ah, ouais. Je trouve que c'est quand même un... pour avoir assisté à plusieurs meetings de Joe Biden, c'est quand même pas la joie, si je puis dire. C'est souvent des meetings où on sent quand même un manque d'enthousiasme par rapport à d'autres meetings comme ceux de Bernie Sanders ou que Bernie Sanders pouvait faire dans le passé. Donc le bunker est un cache-misère, quoi. Ouais, en quelque sorte. C'est-à-dire que Joe Biden, en plus, c'est plutôt quelqu'un qui est susceptible aux gaffes. Donc le fait de pouvoir contrôler en quelque sorte son message est plutôt, je pense, une bonne chose. On voit aussi que pour l'instant, il a de bons scores dans les sondages, dans les États, les swing states. Ce sont ces États bascules qui sont très importants pour déterminer l'élection présidentielle. Donc pour l'instant, je dirais que c'est plutôt bien de ce point de vue-là. Après, il doit maintenant faire face à cette accusation d'une ancienne collaboratrice, Tara Reid, qui l'accuse d'agression sexuelle. Et c'est bien sûr une accusation qui met une partie de son électorat dans l'embarras, en particulier l'électorat féminin, qui sera bien sûr très important en 2020. Merci Alexis. Alexis Buisson, on te lit dans Mediapart, tu es l'un de nos correspondants là-bas et tu es basé à New York. À bientôt. Merci, à bientôt Valentine. Musique à présent, la pianiste Vanessa Wagner étant à l'air libre. Pour nous, elle joue le rappel des oiseaux de Rameau et elle vous explique pourquoi. Bonjour Mediapart, c'est Vanessa Wagner. On m'a demandé de faire une petite vidéo. Et durant ce confinement qui se termine, on a été nombreux à écouter de la musique, lire des livres, regarder des films. On s'est rendu compte à quel point toutes ces nourritures étaient nécessaires, vitales. Et moi, il y a une autre chose qui m'a aidé beaucoup durant ce confinement, c'est d'écouter
de réentendre le chant des oiseaux qu'on entendait le soir dans une ville redevenue silencieuse. Et donc je vais jouer une petite pièce de Rameau qui s'appelle « Le rappel des oiseaux ». Les activistes les plus efficaces et les plus déterminés ont parfois été happés par hasard dans leur combat. Alors que ce n'était pas forcément prévu, ils deviennent la figure d'une lutte au cœur des drames de leur époque. Le drame dont on va parler aujourd'hui, c'est le sort fait aux migrants en Europe. Et le combattant, l'activiste en question, c'est Cédric Héroux, 40 ans, agriculteur à Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes, à la frontière franco-italienne. Bonjour Cédric Héroux, vous êtes notre invité aujourd'hui. Salut. Si nous vous avons invité, c'est que vous êtes arrivé il y a quelques jours avec une relaxe définitive à la fin d'un long combat judiciaire où vous avez défendu contre l'État le droit humanitaire d'aider les migrants. On va y revenir. Mais pour vous resituer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, regardons ensemble cette bande-annonce d'un documentaire libre présenté au Festival de Cannes en 2018. Il était sorti dans les salles après. J'ai une quinzaine de personnes qui sont chez moi et que je cache. Cette gamine, elle est légitime de rester en France, hein, la maman aussi, hein, si on leur laisse le droit de faire une demande d'asile. S'ils n'ont pas de pièce d'identité, ils vont devoir me suivre. Non, je m'en suis pas. Eh bien, ils vont me suivre quand même. Et en fait, on aurait aimé parler avec le préfet des Alpes-Maritimes pour lui expliquer la situation dans la Roya. On entend dire, oui, mais la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Les solutions, il y en a. C'est des gens qui ont des droits, parce qu'ils sont sur le sol français, donc qui devraient être pris en charge par l'État. Bonjour à la police, maintenant. Allez. J'avais confiance en la justice. Je pensais que la justice était indépendante, et on a la preuve que non. Ayez confiance, parce que nous défendons la vie. Nous défendons des gens. C'est là-dedans la liberté pour moi. Et moi, j'ai envie de continuer d'être libre. Je demande d'aider la France. Moi, c'est des histoires personnelles. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, je continuerai. Je ne m'arrêterai pas. Et ce sera à vous à prendre le relais, à venir chez moi. Que ça continue. La bande-annonce de ce film, donc libre, sorti en 2018 sur les écrans. Cédric Héroux, on va revenir en quelques dates sur votre histoire. En 2016, vous voyez des migrants, des Soudanais, des Érythréens affluer depuis l'Italie jusque dans votre exploitation agricole qui est située dans la vallée de la Roya, donc juste derrière la frontière italienne. Par la force des choses, vous avez transformé votre exploitation agricole en camp d'accueil improvisé. L'idée était aussi
de permettre à ces gens de demander l'asile en France, qui leur aurait assuré une protection. Au-delà de votre action individuelle, s'est enclenchée une campagne de solidarité et de désobéissance civile impliquant des habitants de la vallée qui ont donné de la nourriture, hébergé des migrants et donné des cours de français. Alors en août 2017, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence vous a condamné à 4 mois de prison avec sursis pour, je cite, « aide à l'entrée et à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers ». Vous avez ensuite saisi le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction française, qui a consacré en 2018, je cite encore, « la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national », donc la reconnaissance officielle dans le droit français du droit de solidarité. La Cour de cassation a ensuite retenu ce principe de fraternité et elle a annulé votre condamnation par la suite, renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon. Et finalement, le 13 mai dernier, la semaine dernière, mercredi dernier, vous avez été relaxé par la Cour d'appel de Lyon. C'est donc la fin de 4 années de combat judiciaire. On peut retrouver cet article de Michel Henry sur Mediapart. Alors Cédric Herrou, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que jusqu'au bout, malgré cette décision et cette relaxe, l'État aura dit tout le mal qu'il pensait de vous. L'avocat général à Lyon, Fabrice Trémel, vous a ainsi qualifié de, je cite, « hors la loi, qui a fait le choix de la délinquance ». On va voir cet article, dans cet article de Michel Henry, hein, voilà, vous avez fait le choix, selon lui, de la délinquance. Vous vouliez mettre en échec les politiques migratoires et vous étiez prêt à recommencer, a-t-il dit, donc, dangereux individu. Il a même d'ailleurs requis contre vous 8 à 10 mois de prison avec sursis, une position qui n'a pas été suivie par la Cour d'appel. On signale aussi, on y reviendra d'ailleurs, que vous êtes toujours sous contrôle judiciaire actuellement. Cédric Herrou, pendant toutes ces années, cet acharnement de l'État vous a-t-il étonné? Et surtout, qu'est-ce qu'il signifie pour vous alors que vous avez été relaxé? Ben, au départ, en fait, ça s'est construit petit à petit. Enfin, moi, je n'étais absolument pas militant pro-migrant ou ni quoi que ce soit. C'est que je me suis retrouvé avec des gens en face de moi, chez moi, dans ma vallée. Et au début, j'ai eu peur, un peu comme tout le monde. Tout le monde, en fait, les personnes qui ont ouvert leurs portes, la porte de leur voiture, de leur maison, au début, on a peur. Il y a une espèce de double peur. Il y a une peur d'un côté, c'est la peur du gendarme, la peur de la police, la peur de la justice. Parce qu'à cette époque-là, on pensait que c'était interdit d'héberger, on pensait que c'était interdit de transporter... Et on avait peur en fait, d'accueillir une personne d'origine africaine, une personne noire, chez soi. Donc, il y a cette peur du gendarme d'un côté, et il y a la peur aussi du délaissement et du fait, en fait d'abandonner quelqu'un à son sort et d'abandonner quelqu'un à son danger. Et c'est ça un peu qui a été troublant. Et il y a un moment, il faut faire des choix. Et j'ai choisi le choix de la peur du gendarme. Et petit à petit, donc au début, en fait, c'est quand je remontais de mes délivraisons que j'ai pris des gens dans ma voiture, hein, j'ai ouvert la porte. Et ce qui est fou, c'est que tout ce bordel médiatique, politique, c'est l'histoire d'une voiture pourrie qui ouvre sa porte, quoi. C'est quand même assez troublant. Et moi, c'est surtout ça qui me troublait au niveau de la justice, c'est que je voulais être entendu par la justice, parce que si je voulais continuer mes actions cachées, je l'aurais fait. Je n'aurais pas proposé aux médias de venir chez moi et de dire « regardez ce qui se passe ici en France ». Parce que je rappelle aussi que la vallée de la Roya, ben, c'est aussi la France. Et ce qui me dérangeait, c'est ça, en fait. C'est la réaction de l'État par le biais de l'avocat général ou du procureur qui était là. Il fait « oui, mais ce sont des migrants, etc. » Comme si les migrants ne faisaient pas partie de l'humanité, ne faisaient pas partie de l'espèce humaine. Et qu'on me reprochait en fait, d'aider des migrants, avant d'aider des hommes. Et il y avait cette espèce de package migrant, comme moi j'ai été militant pro-migrant. Et je ne vois pas le rapport entre militer pour la migration et militer pour le respect des droits humains. Parce qu'on peut être contre le fait d'accueillir toute la misère du monde, etc., ou d'ouvrir ses frontières. Et on peut être aussi contre délaisser des gens en bord des routes, on peut être contre la maltraitance des personnes en migration. Et je trouve que il y a une façon de faire de l'État et des gouvernements et des politiques d'utiliser la migration pour diviser la population. En fait, c'est diviser pour mieux régner. Et on a dit, bon, d'un côté, il y a les pro-migrants, voilà, et de l'autre côté, il y a les anti-migrants. Donc, il y a un moment, même si les personnes, même je suis sûr qu'il y a des personnes qui votent à l'extrême droite et qui ne sont pas pour ce qu'on a fait aux personnes en migration. Ce n'est pas parce qu'on est contre la migration qu'on est pour noyer des gens en Méditerranée. Ce n'est pas parce qu'on est pour lâcher les militaires là, dans la forêt et courir après des gamins. Et je trouve que le résultat de ce procès, on est un peu revenu à la raison. On a dit,
on se calme. Passer des gens une frontière, c'est pas non plus dramatique. C'est pas un braquage de banque, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est d'abandonner des gens à leur sort, de les laisser en danger et de les persécuter, quoi. Ce que vous dites un peu, c'est que finalement, ce que l'État vous a reproché, c'est de pas vouloir faire les choses secrètement, discrètement, mais c'est de médiatiser ce que vous faisiez, de parler librement d'une certaine façon, parce que du coup, ça posait pour eux un problème politique, un problème de gestion de l'opinion. C'est ça finalement qui vous était reproché. Bien sûr, mais la preuve en est, c'est que j'ai commencé la médiatisation, j'ai accepté la médiatisation juste après ma première arrestation. Donc, c'est la première fois et la seule fois d'ailleurs qu'il y a eu un flagrant délit de passage de frontière. C'était en début août et je me suis fait arrêter au véhicule de mon Citroën C15 avec 8 personnes d'origine érythréenne, avec des gamins et tout dans mon véhicule. C'est clair que c'était c'est pas une pratique. Les personnes étaient entassées à l'arrière. Enfin, je suis rentré de mes livraisons, j'ai vu ces femmes avec les gamins, elles m'ont demandé, sans réfléchir, j'ai dit oui, et je me suis fait voir à 28 minutes par la police et je me suis fait arrêter. J'ai fait 48 heures de garde à vue, une perquisition, etc. Et le procureur de la République m'a fait bénéficier de l'immunité humanitaire. Donc en fait, il n'y avait pas eu de délit de solidarité. Et donc, c'était la seule fois où il y a eu du passage de frontière en flagrant délit. Après, donc, on a médiatisé, on s'est dit, la justice a entendu. Il faudrait que maintenant la population entende ce qui se passe et ce que fait l'État français, italien, ce que fait l'Europe aux personnes en migration. Donc, on a médiatisé et donc, il y a eu un article sur le New York Times qui a énervé quand même le ministère. Et de l'intérieur. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est parti l'espèce de grosse chasse au Cédric Herrou, en fait, où là, de suite après ça, j'ai enchaîné les gardes à vue, j'ai fait 11 gardes à vue, les perquisitions. Mon domicile a été encerclé, parce que mon domicile, c'est une ferme, donc ça fait 2 hectares. Du coup, ils ont encerclé la ferme pendant 2 ans avec 50 gendarmes mobiles, nuit et jour. Et il y a eu vraiment un harcèlement de la part de l'État, représenté par le préfet qui s'appelle Leclerc, avec qui j'étais en procès dernièrement. Hein. C'est ça qui a été troublant pour moi, quoi. C'est de voir en fait ce qui dérangeait, c'est pas le fait des Noirs, parce qu'ils s'en foutent en fait. C'est le fait de dénoncer des irrégularités d'État et de communiquer en fait. Et c'est ça qui a été reproché. Vous disiez, je crois, dans un article de Louise Fessard en 2017 dans Mediapart, Louise Fessard qui était venu vous voir, qui a discuté, qui a beaucoup suivi ce dossier. Vous disiez une chose très simple. Qui montre que justement vous n'étiez pas forcément parti pour jouer ce rôle-là. Vous disiez juste, voilà, mon inaction me rendrait complice. Il y a une sorte de devoir d'humanité, le devoir de solidarité, c'est d'abord un devoir d'humanité. Cette position-là, ça a été constamment ce qui vous a guidé. Je pense que oui, mais surtout. Moi, j'ai très peur de ma mère. Et si je dis à ma mère que j'ai laissé des gosses en bord de route, je me fais engueuler. Je préfère me faire engueuler par le procureur que par ma mère. Non, mais j'ai été éduqué comme ça. Moi, je suis né dans un quartier dissensible, populaire. Enfin, quand on dit sensible populaire, c'est quand il y a des Noirs et des Arabes. Donc, du coup, moi, j'ai partagé mes goûters à l'école avec des gens issus de l'immigration. Ma mère était assistante maternelle, donc on gardait des enfants à la maison, des enfants d'autres gens qui ne pouvaient pas les garder. Ma mère m'a appris à partager ma chambre et jouer, donc j'ai été éduqué comme ça en fait. Et du coup, de ne plus. Et c'est ça qui est troublant en fait, c'est qu'à un moment, il y a la police, il y a l'État qui dit tout ça, en fait, tu l'oublies, le partage, tu l'oublies, et quand tu vois un noir dans la roya, tu ne t'arrêtes pas, tu le laisses comme il est, parce que. Et c'est ça qui est vraiment troublant, quoi. C'est ce que j'avais dit pendant le procès au juge. Le fait que Cédric Herrou soit condamné et tout, à la limite, on s'en fout, même que j'aille en prison, c'est pas très grave qu'un paysan aille en prison, mais c'est le message qu'on donne aux Français, en fait. Et c'est ça qui est important. Le message, en fait, si on m'avait condamné, c'était de dire, quand vous voyez un noir en bord de route, ne l'aidez surtout pas, parce que potentiellement, il est en situation irrégulière. Et quand on parle de situation irrégulière, on parle de situation administrative, et c'est compliqué. Et jusqu'où va la situation administrative irrégulière? C'est ça qui est un peu compliqué. Ouais. Alors, on va rappeler quand même que vous êtes toujours, malgré cette relaxe dans une affaire, toujours sous contrôle judiciaire par ailleurs. Pourquoi et est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur ce contrôle judiciaire qui montre que finalement, malgré la relaxe dont on parle, tout ça n'est pas terminé.
Ouais, ça, c'est une histoire un peu troublante. Ça fait une de toutes ces gardes à vue-là. Je vais reprendre l'histoire du début parce qu'elle est intéressante. C'est donc, il faut s'imaginer, ici, on en était, c'était en juillet 2017, et donc une dizaine de personnes en migration qui décident de rester là et de nous accompagner dans cette lutte. Et qui organisent avec moi, avec nous, l'accueil. Donc, il y avait Imad qui s'occupait des hébergements, il y a Abdoul qui s'occupait de tout ce qui est administratif, il y a Elias qui essaie de gérer la bonne humeur dans le camp, il y a Joseph qui faisait à manger. Et autour de la maison, comme je disais tout à l'heure, il y avait 5 postes de gendarmes mobiles dans la forêt, hein, cachés, sous des bâches en plastique pour se protéger de la pluie. Et toute la journée, ils regardaient ce qui se passait, les allées et venues chez moi, etc. Et un matin, je me lève, je lève les yeux sur la montagne et plus de contrôle de gendarmerie, plus de barrage de flics. Et je me dis, il y a un problème, je regarde bien aux jumelles, je siffle, pas de gendarme. J'appelle la gendarmerie de Breil-sur-Roya, gendarme, je ne suis pas au courant, ce n'est pas moi qui gère, c'est Nice. J'appelle Nice, je leur dis, mais ils sont où là les contrôles autour de la maison ? Je fais, on a changé de méthode, en fait, on ne va plus faire de postes fixes, on va faire des postes qui vont se déplacer sur les chemins. Et je leur ai expliqué, vous savez, on est jeudi. Nous, on ne peut pas descendre les gens le week-end parce que la PADA, c'est la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, c'est celle en fait, qui enregistre et qui donne des rendez-vous pour aller en préfecture. Et vu qu'elle est fermée le week-end, on ne peut pas descendre les gens le week-end parce qu'avec 50 personnes à Nice, dormir dans les squares, ce n'est pas possible. Et je dis, mais vous savez, on va se retrouver à 200 à la maison. Non, vous inquiétez pas, monsieur, on gère, il n'y a pas de problème et tout. Et là, on a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui sont arrivées comme ça en deux jours. On est arrivé à 250 à la maison. De migrants, Ouais. 250 personnes en migration à la maison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes de Vintimille voulaient aller chez moi parce que c'est le seul endroit pour déposer une demande d'asile. C'est ça qui est dingue. Vous savez que vous allez le préfecture organiser ce parcours. Voilà. Et du coup, parce que j'explique un peu comment ça marchait, c'est que les personnes en migration arrivent ici, nous disent on est là pour se demander l'asile. Nous, on a fait un protocole entre-temps avec les gendarmes, donc en leur envoyant un mail, on faisait un papier, oui, je demande l'asile. On appelait les gendarmes de Breil-sur-Roya, on fait, il y a des personnes en migration qui sont là et qui veulent déposer la demande d'asile. On leur donnait le nom, prénom, etc. Et du coup, les gendarmes nous attendaient le lendemain en gare de Breil. Et puis, gare de Breil, on allait jusqu'à Nice. Et Nice, on allait à la PADA. Donc, c'est tout à fait régulier. C'est pour ça que le Cédric Héroux hors la loi, etc., c'est pas très vrai, en fait. C'est qu'on était en collaboration avec la gendarmerie. Oui. On avait monté un protocole. La préfecture n'était pas très d'accord, mais on avait monté un protocole légal avec la gendarmerie pour accompagner les personnes. Et pourquoi vous vous retrouvez alors sous contrôle judiciaire toujours aujourd'hui, en liaison avec cette histoire ? Ouais. Comprendre, c'est qu'il y a le préfet d'un côté, donc l'État, la gendarmerie qui, elle, est vachement plus carrée que le préfet, le dernier préfet, et surtout la police. Et en fait, on avait réussi à prouver à la gendarmerie que toutes les actions étaient illégales de renvoi à la frontière des demandeurs d'asile. On l'avait prouvé en condamnant le préfet, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, ça a été compliqué. Et du coup, la gendarmerie a dit « Ah bon, ce qu'on fait, c'est illégal, donc nous, on arrête. Et toutes les personnes qui sont en demande d'asile, on va vous aider à les accompagner jusqu'à Nice, malgré que le préfet ne soit pas tout à fait d'accord. » C'est ça qui est un peu dingue dans tout ça. Quoi. Mmh. Et du coup, on se retrouve à 250 ici. Donc, on est jeudi soir, vendredi, c'est pas plus possible d'organiser un départ le jour même. Donc, samedi, dimanche, hop, voilà. Et lundi matin, on organise un départ. Donc, on est plus de 200, près de 70 mineurs qui sont à la maison. Donc, 200 majeurs, 70 mineurs. Mmh. Les mineurs nous attendent ici pour être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. On prend le train, on arrive à Nice. Là, les flics, il faut savoir que Nice, c'est la ville où il y a le plus de caméras vidéosurveillance en Europe. Hein. C'est la ville la plus fliquée en Europe. Ces gens de droite extrême. Et du coup, la police nous dit, allez, dégagez dans un département, dégagez. La PADA dit, on ne peut pas enregistrer tout le monde. Allez faire la demande d'asile dans notre département, dégagez. Et je me dis, je vais aller avec eux jusqu'à Cannes pour sortir en fait, du département des Alpes-Maritimes avec les gars en demande d'asile dans le train pour filmer en gare de Cannes, savoir si tout se passe bien. Donc, j'arrive en gare de Cannes. Là, il faut s'imaginer plein juillet, les touristes avec les sandales, les matelas gonflables, les petits shorts, les Marcels, etc., se balader dans la gare. Et là, nous attendent les sentinelles, donc l'armée, la PAF, la nationale, tout ça. Ils rentrent dans le train, ils chopent tous les noirs. Voilà, tous les noirs, ils les prennent. Ils mettent tous les noirs dehors, assis dans le hall de la gare. Tout le monde par terre, entouré de rubalises. Moi, ils me voient, me notent au poignet. On me colle contre un mur.
on me met dans un petit local et les gendarmes de la PAF, qui d'ailleurs avaient une croix de fer, vous savez, croix de fer là, c'était la récompense préférée d'Hitler, tatouée sur son mollet, qui me colle la face contre le mur. Il me dit, espèce de petit fils de pute, tu vois, ici on n'est pas les flics de Nice et nous on va te baiser, etc. machin. Et je finis en garde à vue pendant 48 heures. Et ça, c'est il y a 3 ans, hein, du coup, et mis sous contrôle judiciaire et en mise en examen. Donc, on me met en examen. Donc, cette mise en examen, j'ai reçu le rapport il n'y a pas longtemps. Je vais être convoqué par la juge qui s'occupe de l'affaire. Et j'ai eu le rapport de la PAF de Cannes. Et en fait, ils ont mis mes véhicules sous balise GPS. Ils sont rentrés chez mes parents au-dessus du portail pour mettre les voitures de mes parents sous balise GPS. Ils ont mis mes téléphones portables, enfin mon téléphone portable sous écoute. Ils ont convoqué tous mes clients depuis 2013, toutes les personnes qui m'ont fait des chèques. Ils ont convoqué à la PAF de Cannes pour leur demander pourquoi, quoi, comment. Forcément, j'ai perdu des clients, hein, vous savez. Donc cela continue, quoi. Voilà, tout ça. Et là, je suis toujours mis en examen. Et tout ça pour être relaxé après. C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'il y a un moment, on est en France, on se dit, ouais, on est protégé, la démocratie, etc. Mais jusqu'où est prêt à aller l'État et à mettre pression à la justice, pour mettre pression, non pas à des gens qui aident, mais des gens qui ouvrent leur gueule, en fait. Parce que le problème, ça a été la médiatisation. Et à chaque procès, c'est ce qu'on m'a reproché. Même Ciotti, etc., tous ces politiques disent « Oui, mais Cédric Herrou fait ça pour être médiatisé, comme si la médiatisation était une… » Vous mettiez le doigt sur un problème majeur. On reviendra sûrement dans les 10 minutes qui nous restent sur le sujet de ce qui se passe à La Roya, mais j'ai une question de curiosité. Vous qui êtes agriculteur, éleveur, et aussi donc… Par ce combat-là engagé ces dernières années. Comment vous avez vécu cette crise sanitaire et cette pandémie? J'imagine que du point de vue des arrivées, ça s'est tari, puisque les flux de migrants se sont taris. Enfin, j'imagine, je ne sais pas si c'est la réalité de votre côté. Et plus largement, qu'est-ce que ça vous a inspiré comme réflexion, cette pandémie là, qui nous a, pour beaucoup d'entre nous, confinés chez nous? Avant la pandémie, je vais juste expliquer où on en est maintenant avec notre association. Ouais. C'est que, en fait, en 2018, on a fait une collecte sur Internet pour construire des petits chalets en bois, pour mieux accueillir, etc. Donc, du coup, les personnes sont restées, les personnes se sont retrouvées sans activité. Et là, j'étais confronté, en fait, à l'accueil long terme, moyen terme et long terme. Mmh. En fait, on était passé du court terme au moyen terme, long terme. Et fallait tout organiser, quoi. Etc. Et je me suis dit, putain, il faut trouver une activité aux personnes qui sont comme ça pour qu'elles arrêtent de réfléchir, qu'elles puissent dormir. Et on a réfléchi, etc. Et grâce au film de Michel Touesca, Libre, on a quand même pas mal voyagé en France. On a rencontré plein d'associations, dont des communautés Emmaüs. Et en fait, on a décidé de demander à Emmaüs d'intégrer la fédération Emmaüs. Et donc, Emmaüs a accepté. On est devenu la première communauté agricole, enfin, exclusivement agricole de France. Donc, du coup, moi, j'ai laissé mon exploitation agricole à mon association. Je suis devenu responsable de la communauté. Et maintenant, on accueille des personnes de tout horizon, des Français, des hommes, des femmes, des personnes étrangères en situation régulière ou irrégulière, des demandeurs d'asile. Et donc, du coup, mon exploitation agricole appartient maintenant aux compagnons qui sont ici. Et donc, en fait, on est une communauté où on fait le travail de l'agriculture, etc. Donc, du coup, pendant le confinement, est arrivé le confinement dû au Covid. Et on s'est rendu compte très rapidement que, ben, du coup, une pénurie d'œufs. Nous, on fait de l'élevage de poules pondeuses et du maraîchage. Et on avait 2 fois plus de demandes qu'à l'habitude. J'ai dit aux compagnons de la maison, je dis, bon, à Nice, on a besoin de vous, il faudra un peu y aller. Et là, ils ont réalisé, en fait, qu'ils étaient importants dans la société. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient leur importance, que leur activité, ce n'était pas juste une activité passe-temps, c'était une activité qui était concrète et d'emmener quelque chose de concret, donc de la nourriture. Donc, le confinement, on ne l'a pas trop vécu parce que, tu vois comment c'est ici. Ça a l'air très ouvert, c'est sûr. Voilà, très ouvert. Ouais. Et du coup, on n'a pas mal vécu le confinement, très sincèrement. Oui. Juste, on a fait un peu attention au niveau des livraisons, à porter des masques, des gants, mais sinon, on l'a plutôt bien vécu. Et c'est surtout, ce que moi j'ai réalisé, c'est cette alternative dans laquelle je vis depuis plus de 20 ans,
cette paysannerie, cette auto-alimentation, cette indépendance qui m'a permis de lutter aussi. Hein. C'est cette indépendance financière, ouais, de pas vivre, de vivre grâce à mon travail, grâce à la terre, grâce à des clients. En fait, c'est même plus des clients, c'est des partenaires. Mmh. Grâce à ce réseau qu'on se construit autour de soi, une vraie alternative. Et j'avais suivi les conseils de ma mère. Je reviens sur ma mère quand j'étais adolescent, j'étais pas mal énervé contre le monde, contre la société. Et elle me disait, Cédric, avant de vouloir changer le monde, change ton monde. Et ce monde, j'ai commencé à le changer depuis les années 2000. Et ce monde que j'ai réussi à faire changer autour de moi, j'ai dû me changer moi-même aussi. Hein. Et ça m'a permis de lutter. Et cette alternative m'a permis de lutter, m'a permis de tenir ces 4 années. Et du coup, ce Covid, ça a été une épreuve en plus parmi d'autres, en fait. Hein. Nous, on est habitués à gérer les crises et on gère cette crise du Covid en continuant à vivre, en prenant les précautions et en s'y adaptant. Est-ce que vous vous dites que finalement, une sorte de petite utopie que vous mettez en place avec votre communauté, qui permet en effet l'autosuffisance et qui a aussi permis l'organisation et l'auto-organisation, est-ce que vous vous dites que c'est peut-être une des pistes pour demain, hein, tout le monde parle de l'après, du changement de modèle éventuel qui devrait se passer après cette crise sanitaire majeure. Ouais, je pense pas qu'il y ait souvent dit l'après ou la solution, mais il n'y a pas une solution. Je pense qu'il y a des solutions et la solution sera plurielle en fait. Elle sera plurielle, adaptée aux gens, adaptée aux lieux. Et on a trouvé une petite solution. On a trouvé aussi une petite solution au niveau de l'accueil de la migration. On a trouvé une solution sur l'intégration. On a trouvé une petite solution sur l'écologie, l'environnement, sur la consommation en lien direct. C'est des petites solutions. Donc, il faut, je pense, réfléchir comme ça. C'est d'ouvrir la porte de chez soi, regarder sa rue, son quartier, l'analyser, de se dire comment je pourrais faire les choses sans vouloir faire de mimétisme, mais en s'inspirant des choses qui existent déjà. Mmh. Et ce que je suis en train de faire, ça existe déjà depuis longtemps. Emmaüs fait ça depuis 70 ans. L'alternative paysanne, on l'a fait depuis des millénaires en fait. La bio, on l'a fait depuis des millénaires aussi. Mmh. On a inventé en fait. C'est juste qu'à un moment, il faut réfléchir, dire bon, comment ça se passe autour de soi et s'inspirer de ce qui existe et le faire avec comment dire. Il faut que les choses soient adaptées à ses envies surtout quoi. Mmh. Voilà. Juste, il nous reste 3-4 minutes. Une petite question sur ce gouvernement, le gouvernement Macron. Vous aviez affaire à lui, en tout cas aux gens qui travaillent sous ses ordres lors de tous ces mois, ces années à la Roya sur place, dans la crise dans la gestion de cette crise des migrants. Et puis il y a cette gestion de la pandémie aujourd'hui. Quel regard vous portez sur ce gouvernement aujourd'hui ? Bon, gouvernement, c'est les gens qui gouvernent. On a changé le terme de gouvernement. Et moi, j'aimerais bien que le petit Emmanuel, là, il faudrait que je le prenne, je le mets dans une petite cabane chez moi et qu'il soit entouré de gens qu'il ne connaissent pas, qu'il ne reconnaissent pas et qu'il vive un peu comme tout le monde. Donc, qu'il mette un peu les mains dans la terre, qu'il partage le repas avec d'autres, qu'il fasse à manger pour d'autres et qu'il se mette un peu au boulot de ce que font tous les Français, en fait. Et on le voit. Vous sentez une distance totale, c'est ça ? On le sent, il n'y a pas que moi qui le sens, hein. Les infirmiers et les infirmières, ils le sentent. Hein. On parle de crise du coronavirus, mais ce n'est pas la crise du coronavirus, hein. C'est la crise des hôpitaux. En fait, pourquoi on est confiné ? Parce qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux, parce qu'on les a précarisés, ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie. Quoi. Je ne dis pas qu'elle n'est pas grave, hein, mais je dis juste que dans le monde, il y a eu juste 2 fois plus de morts que des morts du cancer en France. Mmh. Chaque année. On n'avait pas les moyens de répondre à cette pandémie. On n'a pas les moyens de répondre à cette crise. Et ce n'est pas la crise du coronavirus, c'est la crise de l'hôpital. Et là, ils n'entendent toujours pas, en fait. Hein. Ils nous ont dit, il n'y a pas longtemps, oui, mais cet été, on va donner des réponses, etc. Il faut les régler de suite. C'est pour ça que c'est gouvernement, c'est les gens qui gouvernent. Gouverner, non, ils ne gouvernent pas, quoi. Ils font de la politique politicienne et sans gouverner. C'est des gens qui sont loin de la réalité. Ils auraient besoin de vivre un peu comme tout le monde. Et il faudrait, je pense, redémocratiser la politique et vraiment mettre des gens du peuple au pouvoir et écouter les gens du peuple. Et je reviens juste à un truc, là, ça me fait penser à quelque chose quand je parle de pouvoir, etc. Le mot de la fin. En France, il faut parler de démocratie. Et la démocratie, le pouvoir, ce n'est pas que le pouvoir. Le pouvoir, c'est les pouvoirs. Et dans les pouvoirs, en fait, il y a les contre-pouvoirs. Et c'est ça la démocratie, c'est le respect du contre-pouvoir.
Et dans mon cas, on a vu qu'on a voulu m'incriminer pour une espèce de contrepartie militante. Parce qu'en fait, pour pouvoir m'incriminer, il fallait trouver une contrepartie. Donc en général, elle est financière. Et là, on se dit, ouais, mais c'est quoi la contrepartie qui... ben, elle est politique, elle est idéologique, elle est militante. Et tu as envie de leur dire, mais oui, et alors ? Mais la démocratie, c'est ça, en fait. C'est un contre-pouvoir. Mais le pouvoir se doit de respecter le contre-pouvoir. Et ça, c'est une obligation. Et le contre-pouvoir vient souvent du peuple. Et il faudrait que le pouvoir vienne du peuple aussi, un peu. Ça ferait un peu du bien. Voilà. Mais sinon, j'invite Emmanuel à venir passer 2-3 semaines dans mes cabanes, au milieu des compagnes et compagnons. Ça lui ferait du bien. Invitation donc lancée, ouais. Si Emmanuel Macron nous entend. Merci beaucoup, Cédric Herrou. C'était très sympa de discuter avec vous pendant cette demi-heure. Merci à toutes et toutes de nous avoir suivis. Valentine, on se retrouve demain. Ouais, demain, même heure, même endroit. C'est drôle, bizarre. Hein, ouais. Abonnez-vous à Mediapart. Mediapart, vous le savez, est indépendant et ne vous informe que grâce aux abonnements. Je vous rappelle notre adresse pour nous écrire à l'émission à l'air libre @mediapart.fr. À demain, bonne soirée.